Yo les gars, c'est Axe, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT 15, tout simplement sur FIFA 15. Je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai eu hier et j'ai pas voulu jouer un seul match en ligne car je voulais m'acheter des points FIFA et je devais attendre la veille. Donc voilà, aujourd'hui je les ai, j'ai essayé de faire une vidéo pour faire un pack opening. Et d'ailleurs j'ai aussi une deuxième raison de pas avoir lancé un seul match en ligne sur FUT. Bon, déjà j'ai pas d'équipe vraiment, même si j'ai des crédits, j'ai pas vraiment une équipe vraiment bien basée, bien construite. Malgré que j'ai 35 000 crédits, je suis assez gourmand, je voudrais avoir plus. Et surtout, bon, il y avait une technique l'année dernière, c'est que vous voyez en haut à gauche, il y a 0 victoire, 0 nul, 0 défaite. Et donc c'est ce qui pourrait peut-être me permettre d'avoir des gros joueurs dans les packs. Parce que si on fait aucun match, on peut avoir certains gros joueurs. Aujourd'hui l'équipe de la semaine, il y a Ronaldo dedans, il y a Gignac, bon je m'en fous un peu, Rakitic, etc, etc. Bon, il y a quelque chose à voir, franchement je vais vous la montrer. J'aimerais bien avoir ouais, franchement il y a vraiment que Cristiano Ronaldo qui m'intéresse. Bon après je vais pas cracher sur un des joueurs en boost que je vais avoir. Peut-être Dembélé qui nous a claqué un triplé ou un quadruplé, je sais plus, en Ligue 2 avec Nancy. Donc voilà. donc on va essayer de viser un petit Ronaldo en boost. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, on va pas cracher sur un autre. Parce que c'est minimum 10 000 normalement. Donc les gars, bah écoutez, on va enchaîner, on va y aller, c'est parti. Pack or. Hop. Donc durant cette vidéo, je vais peut-être vous proposer différents épisodes. Pourquoi pas faire une carrière. Ok, compagnie. Pff. On commence très bien. On commence très très bien les gars. Ouais, ouais. Non mais c'est bon, vous me prenez pour qui les gars? Alors ça c'est excellent de commencer une vidéo comme ça. Je pouvais pas rêver mieux. Bah écoutez les Lovren aussi, j'avais pas vu Lovren, je l'aime beaucoup. Castro, combien. Ouais bon. Bah franchement compagnie les gars, on peut voir. Je vais tout mettre dans. Je vais tout envoyer au club. Ouais, on va tout mettre au club. Voilà, on va tous les éléments restants au club. On reprend l'habitude les gars parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à FUT. Donc ouais, mais pourquoi pas faire une carrière en épisode suivi, pourquoi pas faire différentes séries intéressantes à vous proposer, par exemple, j'en sais rien, moi des... franchement, j'ai pas encore d'idée les gars. Je pense mettre en œuvre une sorte de... Pas de review player, mais je sais pas, on verra. Honnêtement, vous allez voir les gars, mais je vous promets de faire un petit truc sympathique quand même, ne pas vous laisser dans la merde. Bah écoutez les gars, pour le moment on commence extrêmement bien. Compagnie. Bon, le deuxième pack, j'ai rien eu d'intéressant. Allez, au voir, donne-moi du lourd. Fabiano de Porto, le gardien. Des stats assez complètes pour 75 de général. Ouais, bon, on va tout envoyer au club les gars. Hein. Je pense que je vais pas vous embêter à ça. Ce que vous voulez voir vous, c'est du tirage de pack. Bon, j'ai pris que 2000 pour 20 euros quoi, hein, je me suis pas vraiment fait chier. Donc les gars, n'hésitez pas à m'ajouter NAX, donc je vous mettrai dans la description NAX sur PS4 hein, simplement. Lukaku, malafaka. Allez, vas-y, viens mon gars. Ça c'est bon, hein, je peux me faire une BPL pour commencer. Signalez vous de ma park. Le stade d'ailleurs, intéressant aussi, je vais le mettre en actif. Vous allez déjà, Lukaku, compagnie les gars. Extrêmement bien, allez s'il vous plaît, un boost quoi. Un boost, me laissez pas en chien comme ça devant une vidéo. Forcément, je dois sortir un boost. Guillaume. Ah, pas des stats dégueulasses. Pas craché dessus non plus. Le maillot de la Russie. Bon, les maillots de nationaux, franchement, ils sont vraiment dégueulasses. Hein. Il y en a, ils sont. Enfin, je sais même pas ce qu'ils font là. Ce qui me fait un peu chier, c'est le maillot du Portugal qui est toujours même pas sous licence FIFA. Enfin, c'est le faux quoi. C'est vraiment un maillot Kipsta de Decathlon, honnêtement. Les gars, faut faire quelque chose. Moi, je veux jouer avec le vrai maillot du Portugal. Je le trouve tellement magnifique en plus. Caballero, oui, l'ancien joueur de Malaga, il nous a fait une énorme Ligue des Champions l'année du Bayern. L'année victorieuse du Bayern en Ligue des Champions, donc c'était il y a 2 ans. Donc ouais, très très bon gardien. Il y a moyen. Mais franchement, une BPL là tout de suite maintenant. J'ai, bon, chaud. Pourquoi pas, hein, il a pas des stats non plus hasardeuses. Bon, bah écoutez, on va tout garder. Hein. Je sais pas si je vendrai. Ça, je verrai après la vidéo. On va placer ça sur la liste des marchands, si jamais les ballons ça peut partir, mais ça m'étonnerait que celui-ci risque d'intéresser grand monde. Allez, hasard. Je te fais confiance, mon grand. Honda et Crouch. Bon, Crouch, ok. Menez. Oh putain, comment je suis deg. Comment je suis deg. Eh, il y a même pas 2 jours, il était en boost.
Oh, je suis dégoûté. Bon, deux joueurs du Milan AC, j'apprécie beaucoup cette équipe. D'ailleurs, Honda, très bon joueur. Menez, excellent. J'ai toujours aimé Menez, de toute façon. Et Burak Yılmaz, le joueur du Galatasaray. Oula. Oh, j'ai cru qu'il avait pris une patate dans la gueule, lui, que pour la photo. Bref. Bon, ben, Honda, Menez, c'est ce que je peux retenir de ce pack. On enchaîne tout de suite avec Gonzalo Higuain. Allez. C'était... Mata, Juan Mata. Mais une BPL les gars, je vous le dis. Une BPL, vous entendez? Je vais me faire une BPL. Ouais, c'est pas très... Encore un joueur du Milan C. Bon bah écoute, Mata, je sais pas si je vais te revendre, mais j'espère au moins atteindre les 100 000 crédits sur ce pack. Hein. Pour 20 euros, je peux me faire 100 000 crédits, quoi. Enfin, à peu près. À peu près. Allez, on enchaîne. Ah, un boost, ah, un boost. Ah non, ce sera pas un boost. Là, c'est comment il s'appelle lui? Kalanoglu, Kalanoglu, ok, c'est un. Pas dire de conneries, ouais, c'est un turc. Rakitsi, ok. Bon bah, mon premier pack où il y a vraiment rien d'intéressant. On arrive déjà à 875 points FIFA, ça part vite. Hein. Bah, les gars, c'est mon premier pack opening en tout cas sur FIFA là. J'ai voulu commencer pas très fort parce que bon, 20 euros ça suffit, je pense. Miralas, c'est bon, je vous dis. Miralas et Vicente. Vicente. Et José Calderón, ça c'est excellent les gars. Calderón, il est excellent ce joueur, il a vraiment de la vitesse de ouf. Voilà, pas trop. Ouais. Ah, il est pas sur un côté cette année. L'année dernière, il était en MD. Cette année, il est milieu offensif. Ok, bah d'accord. Bon, bah, ouais, un milieu offensif avec une telle vitesse, c'est un peu énorme quand même. Et Miralas, voilà. Miralas, lui, il est MD par contre, et lui, il a de la vitesse. Bah, il est un peu pareil que Calderón, hein, honnêtement. On va tout garder, on verra après. Donc ouais, je disais, je commence pas très fort pour le moment pour mon premier pack opening. Hein, j'ai décidé de mettre simplement 20 euros tout simplement parce qu'il y aura d'autres vidéos à venir. Et que bon, c'est le début de FIFA et j'ai pas envie de commencer non plus sur les chapeaux de roue. Vous voyez, voilà, autant mieux avoir une équipe méritée. Donc là, on n'a rien d'intéressant. Vraiment une équipe méritée par le biais bon, de 20 euros. Allez, ça passe. Puis après, on essaye de monter en D1. Donc oui aussi, il y aura peut-être des vidéos de suivi en D1, il y aura des suivis en compétition, en coupe internationale, etc. etc. Des défis aussi avec des équipes entièrement sur le physique, entièrement que du tir, entièrement sans vitesse, entièrement en dessous de 50 de vitesse, je pourrais me faire une équipe, ça pourrait être sympa. Donc là j'ai toujours rien eu par ouais, bon, les maillots d'Arsenal, pourquoi pas. Donc voilà, ce sont mes attentions pour cette saison, pour cette année. Et j'espère pouvoir continuer les vidéos régulièrement parce que bon, j'ai commencé mais j'ai jamais terminé. C'est ça mon défaut, c'est commencer mais jamais terminé. Mais bon, c'est peut-être un manque de motivation, enfin, ça peut se comprendre, hein. Tout le monde n'a pas forcément le temps qu'il faut pour pouvoir faire des vidéos. Et puis à un moment donné, quand tu vois que tu perces pas, bah, à un moment donné tu te démoralises. Et à un moment donné, bon bah tu te dis quand même que bon, il n'y a pas besoin de percer, c'est juste que de la passion. Pas vraiment besoin de forcément être connu pour pouvoir kiffer, être sur YouTube et faire des vidéos. Enfin voilà, si c'est ta passion, c'est comme le football quoi. Tu continues, tu t'arrêtes pas. Donc c'est ce que je vais faire sans doute. Donc là il me manquait 25 points FIFA et je pouvais me faire un dernier pack intéressant. Ben non, je me tape Maxwell, Ubina, Sidwell, Lustig. Eh bien les gars, mis à part peut-être dans l'autre pack à 100 points FIFA, ce qui m'étonnerait, j'aurais rien. Enfin j'aurais rien eu. J'aurais pas eu de boost, j'aurais pas eu de Ronaldo. J'ai tellement envie de mettre encore 20 euros, mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible, je peux pas mettre tout le temps, après ça devient une addiction, il faut pas que ça passe comme ça. Donc on arrive au dernier pack les gars, Messi, pour conclure cette vidéo. Zagwev, bon ben le joueur du CSKA Moscou, international russe. Friedel des Spurs, donc ouais, une carrière pourquoi pas, mais une carrière obligatoirement, en BPL parce que bon, ils ont vraiment boosté le jeu sur la BPL, les stades, les présentations, etc. etc. Donc franchement, c'est quelque chose auquel je tiens à cœur. Vraiment, c'est à cœur de faire cette vidéo en mode carrière. Bien écoutez les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Axe, donc voilà, vous pouvez m'ajouter, vous voyez mon pseudo à droite juste là. Vous pouvez m'ajouter, on peut jouer ensemble, on peut faire tout ensemble, un club pro. On va faire quelque chose d'énorme cette année parce que on va pas s'ennuyer, je vous l'accorde, on va pas s'ennuyer. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Si vous avez aimé, mettez un like, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Et puis voilà, c'est tout ce que je vous avais à vous dire. Prenez soin de vous les gars, peace. Et jouez bien FIFA les gars, parce qu'il vient de sortir, faut profiter. Allez les gars, prenez soin de vous. Merci.